You better be humble, humble, humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble, you won't be the last. Be humble. Oh yeah. Be humble. Be humble. Be humble. Bienvenue, mon cher. Bonjour, comment tu vas, chérie? Je suis très contente de te voir. Ah, c'est ça va? Très bien passé, chérie. Qui est-elle? Bon, Olama. Elle, c'est ma femme, Tessie. Bonsoir, maman. Tessie, je te présente Olama. Elle va rester avec nous ici pendant quelques jours. André, quel genre d'homme est-il? Comment tu peux aller trouver une bonne sans me prévenir? C'est quoi ton problème? Oh non, chérie, Olama n'est pas une bonne. Elle a juste besoin d'aide. Et cette maison est très grande, mais aussi vide. Et je me suis dit que c'était sage qu'elle vienne rester avec nous. Oh. André, est-ce que tu dois toujours me rappeler mon incapacité de te donner un enfant? Oh, cette maison est trop grande et vide. Vide des enfants, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux dire. Ça, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Fais-moi comprendre ce que tu penses. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Comment tu peux apporter un enfant chez moi sans me prévenir? Hein? C'est ce qui fait de toi un bon mari. S'il te plaît, écoute. Hein, dis-moi, non, s'il laisse-moi. Te plaît, désolé, désolé. Salut, mon prince. Votre boisson est servie. As-tu bien nettoyé ces verres? Oui, mon prince. Très bien, tu peux partir. D'accord, merci, mon prince. Under the rain, just call on my name, I'll be there. No matter the time, no matter the reason, just reach out for me, I'll be there. Cause you've got my heart, you've got my heart, you've got my heart in your hands. Cause you've got my heart, you've got my heart, you've got my heart in your hands. Bride in your paradise makes you foolish. Another man's world. Bride in your paradise makes you ugly in this beautiful world. You better be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble. You gotta be humble, humble, humble. You won't be the last. Be humble. Oh yeah. Be humble. Affamé Founan. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu m'évites? Si ça ne te dérange pas, j'aimerais rester tout seul. Eh bien, très malheureusement, je ne le ferai pas. Affamé Founan, tu es mon fiancé. C'est faux. Moi, je ne suis pas du tout ton mari. Et jamais, jamais, je ne serai un jour ton mari, tu comprends? Oh, vraiment?
Affamé Funa. Eh ben, tu n'avais pas pensé à ça au moment où tu avais pris ma féminité. Tu dois vraiment être stupide pour dire une telle chose. S'il te plaît, amène-toi vite en dehors de ce palais, maintenant même, maintenant. Tu sais quoi? Tout devient si clair pour moi. T'inquiète, je vais t'épargner de tout ça. On verra bien. Va-t'en. Monsieur. Oh, bonjour. Comment tu vas, Olama? Oui, je vais bien. Ok, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie la maison, monsieur. Oh, je t'avais demandé de faire attention à comment tu fais le ménage à la maison. Tu es enceinte. Alors, par conséquent, tu ne peux pas te donner de stress à tout moment. Je suis assez forte. Je peux le faire. D'accord, pas de problème. Travaille rapidement et va te reposer. Je vais au travail. D'accord. Bonne journée, monsieur. Ça veut dire qu'André a enceinté une fille et l'amène à la maison comme une bonne. Jeune femme, qu'est-ce que tu vas faire avec mon mari? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu as à faire avec mon mari? Rien, madame. Je n'ai rien à faire avec votre mari. N'ose pas me mentir. J'ai tout entendu. Hé, qui est responsable de cette chose qui est dans ton ventre? Madame, je jure sur la tombe de ma pauvre mère. Je n'ai rien avec votre mari. Je ne vous mens pas, je dis vrai. Je n'ai rien avec votre mari. Je ne suis pas en relation avec votre mari. Oh! Tu crois que je vais croiser mes bras et te permettre de détruire un foyer que j'ai construit pendant 8 ans? C'est ce que tu penses? Tu viens, je ne sais d'où, avec cette chose dans ton ventre pour détruire mon mariage? Je vais te montrer comment j'ai passé ma vie dans la rue. Et comment j'ai souffert toute ma vie avant d'arriver dans cette maison. Tu verras ce que je vais te faire. On verra bien. Jésus-Christ, cette fille ne s'est pas débarrassée de la table quand elle finisse de... Oloma! Oloma!
seule chose que tu fais dans cette maison, c'est manger et dormir. Allez, laisse ça, dépose. Tu savais que tu devais débarrasser la table après avoir mangé. Mais tu l'as laissé, c'est quoi ton problème? Désolée madame, j'étais à la cuisine, j'étais au point de venir pour débarrasser la table. Je suis désolée. Après que ça soit cassé? Hein? C'est quoi ton problème? Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu mourras. Insensé. Je vais te tuer. Tu dois mourir. Tu ne sais pas mettre de la propreté sur la table quand tu finis de manger. Est-ce que je dois toujours te rappeler de débarrasser la table quand tu finis de manger? Insensé. Va-t'en d'ici. Tu n'as vraiment pas de sens. Regarde-la. Imbécile, zinzin, insensé. Reviens ici nettoyer cette table. N'importe quoi. Mais où est Uloma? Mon Dieu, mais où est-ce qu'elle se trouve? Ça va faire déjà 2 semaines que j'ai abandonné mes cours au Canada. Et je suis rentré ici dans ce pays. Et je ne l'ai pas encore trouvée. Je suis allé chez elle déjà 2 fois. Mais elle reste encore introuvable jusqu'à ce jour. Mais il se passe quoi enfin? J'espère seulement que rien n'est arrivé à elle et à son bébé. J'espère seulement. Mon Dieu, aide-moi s'il te plaît.
princesse. Oh, mère. Mes salutations, mère. Salut, ma princesse. Comment vas-tu? Pourquoi est-ce que ma princesse est dans le trouble? Maman. Je crois que je suis en train de perdre le prince graduellement. Qui a dit ça? Oh, arrête ça, mon amour. Enlève ces pensées dans ta tête. Écoute, Afam a été choisi pour toi. Tu ne vas pas le perdre. Maman, il ne m'appelle pas. Il ne vient même pas à la maison me rendre visite. Il m'évite comme si j'étais la peste. Viens, mets-toi. Mets-toi avec moi. Assieds-toi. Maintenant, écoute-moi. Je veux juste t'affirmer que le prince Afam t'appartient. Il est pour toi-même. Mais maman, il ne m'appelle pas. Et il ne répond même pas à mes appels. Je suis fatiguée. Il ne t'appelle pas? Et il ne répond pas à tes appels? Non. Oh, viens ma chérie. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée à propos. Il va sûrement se ressaisir. Je te promets, ok? Maman, je n'ai pas besoin de le perdre. Ça n'arrivera pas. Ok. Maman. Je pense qu'il sort avec une autre femme. Oh, n'importe quoi. Arrête ça. Je connais mon fils. Il n'y a pas une autre femme quelque part. Il voit une autre. Il voit une autre. Il agit bizarrement. Il va se ressaisir, ma chérie. Viens, approche-toi. Ça va aller. Bonjour, monsieur. Bonjour, Olama. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ah, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Olama, tu n'as pas droit à me mentir. Qu'est-ce qui s'est passé à mon absence? Elle doit partir de cette maison, aujourd'hui même. Thérésia, c'est quoi le problème? Une femme qui se plaint à Dieu pour des problèmes de la grossesse traite les enfants d'autres femmes avec beaucoup de méchanceté. André, je ne suis pas stérile. Ça, ce n'est pas un problème. Je te demande juste de traiter cette fille avec beaucoup d'amour. De quel amour parles-tu? Épargne-moi, s'il te plaît. Oloma, quitte cette maison à l'instant même. Immédiatement, j'en ai assez de vous deux. S'il vous plaît, madame. Je vous en supplie, ne me chassez pas. Je n'ai pas où aller. Je n'ai pas où mettre ma tête, s'il vous plaît, madame. Ayez pitié. Je m'en fiche. Ça m'est égal. Si tu veux, tu n'as qu'à te trouver où dormir. Ou encore, tu peux dormir sous l'arbre. Tu n'as qu'à faire avec. Hey, madame. Tu vas quitter cette maison maintenant. Madame. Allez, va dans ta chambre maintenant, fais tes bagages. Sors! Non, madame, ne me supplie madame, pas. Lève-toi. Pardon. Lève-toi. Sors. Dépêche-toi. J'ai commencé à vagabonder dans la rue. Lève-toi. Tu crois que je suis en train de blaguer ma tête, avec toi? Sors, vous sors. Plaît, madame. Va faire tes bagages. Sors. Pardon. Sors. C'est de ma connaissance que tu évites ton mariage à la princesse Clara. Est-ce que je peux savoir pourquoi? La princesse Clara m'a vraiment beaucoup dérangé ces temps-ci. Et s'il y a quelque chose que je déteste vraiment, c'est le dérangement. Je ne supporte vraiment pas ça, qu'une personne me mette très mal à l'aise. Alors, depuis quand une fiancée, lorsqu'elle va rendre visite à son fiancé, ça devient dérangement?
Bien, maman, c'est juste que je n'apprécie pas la princesse Clara. C'est ça la vérité, maman. Quoi? Afam, t'ai-je bien écouté? Maman, tu m'as très bien entendu. Je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Maman, cette fille est vraiment agressive et elle n'est pas respectueuse du tout. Je ne l'apprécie pas, ok? Je ne peux pas vivre avec une personne pour qui je n'ai pas de sentiments. Afamé Funa, te voir épouser princesse Clara, c'était le souhait de ton défunt père. Bien, maman, est-ce que c'est possible que nous essayons d'oublier le souhait d'un homme qui est déjà mort? Fixons-nous maintenant sur la réalité. Ok, mon père décédé ne peut pas choisir pour moi une femme que je dois épouser quand même, hein? Ce n'est pas normal. La royauté épouse la royauté. La royauté ou pas, maman, je t'ai bien dit que je ne vais jamais épouser la princesse Clara, maman. Elle ne me donne pas la paix d'esprit. Tout homme veut la femme qui lui donne la paix d'esprit quand même. Et Oloma, c'est la femme parfaite pour moi. Veuillez m'excuser. Je suis fatigué de parler de ces choses encore et encore. Pourquoi déranges-tu mon frère avec cette histoire de Clara? La ferme, jeune fille! Je n'ai pas demandé ton opinion. Maman, s'il te plaît, je t'en prie. Il est assez grand pour savoir ce qu'il veut. Juste laisse-le faire son choix. Ferme ta bouche. Mais maman... Arrête-toi là. Careful what you wish for. Oh, I... Oh, yeah. When love is built on bricks of sorrow. When love is fed on bread of sorrow. Let it be, just let it be, this love I see, just let it be, it can't stop the rain, just let it be. Stop the sun, just let it be, just let it be, just let it be, just let it be, just let it be. When love is built on bricks of sorrow. When love is fed on bread of sorrow. Oh yeah, just let it be. Just let it be. It can't stop the time. It can't stop the time. Bride in your paradise makes you foolish in another man's world. Bride in your paradise makes you ugly in this beautiful. Better be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble, humble. You gotta be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble, humble. Life is fluid, nothing stays the same. Change is permanent. Tessie,
C'est quoi encore le problème? Dis-moi, c'est quoi le problème? Tu laisses les émotions prendre le dessus. Tu n'es plus la jolie reine que j'ai épousée. Tu t'es fait trop de soucis parce qu'on n'a pas d'enfant jusque-là. Vraiment, c'est quoi le problème? Est-ce que moi je me plains? Tessie, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que mon cœur va cesser de t'aimer. Tu es toujours ma seule Tessie, la seule que j'aime beaucoup. Viens près de moi, chérie. Oh, ma tendre jolie reine, dis-moi, c'est quoi le problème? Viens, viens avec moi. Oui, viens. Mais où est Oloma? Et mon bébé qu'elle porte? C'est déjà la troisième fois que je suis allé au royaume ici beau pour la chercher seulement. Mais où est-elle? Hein? Elle me manque vraiment beaucoup. Mais où est-ce que je peux encore aller pour essayer de la trouver? Où? Mais comment peut-elle disparaître comme ça? Hein? Ouh. Mais que dois-je faire enfin? Et si je vais d'abord à... Où est-ce que le prince est parti depuis ce matin? Il est sorti comme s'il allait chercher quelque chose de très importante. Mon fils s'en fout de tout le monde ici au palais. Apparemment, j'ai comme l'impression qu'il ne veut écouter personne. Maman, j'ai vraiment pitié de mon frère. Je veux dire, il n'est pas les mêmes depuis qu'il est revenu ici et abandonné ses affaires là-bas au Canada. Cela veut dire que la chose qu'il a ramenée ici est très importante et compte beaucoup à ses yeux. Ah. Oh, le voilà. Où étais-tu parti depuis le matin? Mon prince, sois le bienvenu. Ah, merci. Mon prince, on était très inquiète pour toi et tu n'as pas l'air en forme. Dois-je t'apporter quelque chose? Si tu peux bien, s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Affamé Funa, tu as quitté cette maison depuis 6 heures juste et c'est maintenant que tu rentres. Je peux savoir la cause? Je n'ai pas pu trouver Oloma et mon enfant qu'elle est en train de porter. Je le cherchais vraiment partout et je n'ai pas pu la trouver. Attends, veux-tu dire que tu as quitté ce palais pour aller chercher cette bonne à rien? Cette bonne à rien porte mon enfant et je dois les retrouver. Excuse-moi.
Je vois. Donc, cette fille de je ne sais qui, c'est-elle la cause de ses comportements? Je vois. Affamé Funa, tu ne vas pas épouser cette servante. Non tant que je serai en vie. Jamais. Bienvenue, Monsieur Andrew. Merci. Docteur Richard, j'ai remarqué que ma femme visite ton hôpital tous ces derniers jours. Est-ce que je dois savoir quelque chose? Bien, Monsieur Andrew, en tant que docteur, vous êtes bien capable de comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent aller à l'encontre de notre profession. Alors, je suis vraiment désolé, je ne puis répondre à votre question. Docteur Richard, est-ce que tout va bien avec ma femme? Bien, comme je l'ai dit tantôt. Je te rappelle, s'il te plaît, je suis en réunion, ok? Je suis désolé pour ça. Bien, comme je l'ai dit avant, je suggère que vous alliez à la maison pour lui parler vous-même. Je pense vraiment que ce sera bien. C'est d'accord. Désolée, ma belle, désolée. Ça va aller, attends. Attends un instant. Allez. Attends. Prends. Juste lève-toi. Essaie de te regarder, s'il te plaît. Allez, comme ça. Ça va aller, ok? Tu vas te rétablir. Doucement, oui. Désolée. Désolée, ma belle. Allez, oui. Ça. Ah, voilà. Désolée, ça va aller. Allez, allonge-toi. Tu iras bien, ok? Courage, ça va aller. Désolée. Ah! Non, il faut pas. Désolée. Je ne sais pas. Désolée. Mais c'est quoi ça au juste? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ira bien, ok? Ça va aller. Sois forte. Désolée. Oh, grande sœur, sois la bienvenue. Tantine, bienvenue. Grande sœur, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? La malaria. Depuis combien de temps? Ça a commencé aujourd'hui. Elle ira bien, elle a pris le médicament. Et ça ira. Ça va aller, tantine. Oh, grande sœur, mets-toi, s'il te plaît. D'accord. T'inquiète, ça va aller, ok? Oh, désolée. Courage. Ça va aller. Ok? Oui. Oh.
Abigail. Grande sœur. Et si cette fille mourait dans cette maison? Jamais de la vie. Rien ne va lui arriver, grande sœur. Grande sœur, c'est pas comme ça. Je vais juste aider cette fille. Elle n'a personne et nulle part où aller. Elle vient d'un orphelinat? Non, elle n'est pas de l'orphelinat. Mais ses parents sont morts. Qu'elle rentre dans sa famille. Tu deviens sa famille? Grande sœur, je ne le suis pas. Je ne fais qu'aider une fille qui a des problèmes. Écoute, Abigail. Si cette fille meurt dans cette maison, sache que je n'en suis pour rien. Pride in your paradise makes you foolish in another man's world. Pride in your paradise makes you ugly in this beautiful world. You better be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble. You gotta be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble. Oh yeah. Be humble. Be humble. Be humble, be humble now. Life is fluid, nothing stays the same. Change is permanent, nothing stays the same. While you can't predict tomorrow, you cannot give what you do not have. Every action has its consequence. Your legs can take you places, but it's character that will keep you there. Every action has its consequence. And it's true, nobody knows tomorrow. Slow it down, 'cause nobody knows tomorrow. Oh yeah. Pride in your paradise. In your paradise. Makes you foolish. In another man's world. Pourquoi ne répond pas à mes appels? Pride in your paradise makes you ugly in this beautiful world. In this beautiful world. You better be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Oh yeah. Be humble. Be humble. You gotta be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble, be humble. Oh yeah, it's not how long. Oh yeah, but how well has it been? How good can it be? Will you make me mad for no reason? Oh yeah, can I depend on you? Oh, oh, pride in your paradise makes you foolish in another man's world. Pride in your paradise, slow it down, slow makes it you down. Ugly in this beautiful world. Nobody knows. You better be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble. Affamé fou. C'est quoi ce genre d'insulte? Moi, la princesse du royaume d'Isiogo. C'est vraiment une insulte royale. Tu vas me le payer. Ma reine, votre boisson est servie.
Bonjour, mère. Tu es là? Ma princesse. Tu passes du bon temps? Comment vas-tu? Je vais bien. As-tu besoin d'une chaise? Ça va, t'inquiète. Maman, s'il te plaît, j'aimerais que nous puissions parler d'une chose très importante. Importante? Oui. Ok. Laisse-moi alors appeler... Non, te dérange pas. Laisse-moi juste me rapprocher de toi. Maman. Oui, ma chère. S'il te plaît, je t'en supplie pour l'amour du ciel. Permets à mon frère de faire son choix. S'il te plaît. Jamais. Le prince Afame Funa ne peut jamais épouser cette lâche. Ton défunt père Igwe et moi avions fait un bon choix pour lui. Et ce choix, c'est la princesse Clara, la princesse du royaume de Sugo. Mais tu sais que mon frère ne l'aime pas. Maman, lui imposer la princesse, c'est du suicide. Je ne peux pas. Je vais toujours l'imposer. Il doit l'épouser. Il ne peut pas l'abandonner après l'avoir déviergée. Oui. Elle s'est confiée à moi. Tu me fais marcher ou quoi? Donc, elle est allée jusqu'au point de te raconter cela? Non, elle n'est pas assez mature. Appelle-le comme tu veux. Tout ce que je sais, c'est que le prince Afame Funa va épouser la princesse du royaume des Siogo. Point final. Il ne l'apprécie pas, il ne l'aime pas, mais il avait quand même couché avec elle. Tu es une femme. Alors pense à propos. Excuse-moi. C'est comme si tu n'es pas une femme. Tu n'as même pas honte. Sais-tu ce que c'est la fierté d'une femme? Hein? Tu as fait des bêtises et tu veux abandonner la princesse. Où est-ce que tu vas? Je vais chercher Oloma. Quitte ce palais et je vais te déshonorer. Tu sais, comme le futur roi de ce royaume, je ne cède pas devant les menaces. Quitte ce palais et je vais te montrer que c'est moi qui t'avais porté 9 mois dans mon ventre et je t'avais donné la vie. Et c'est exactement pourquoi tu me vois rester un peu calme, j'évite un peu de me fâcher devant toi. Parce que tu es ma mère. Mais ici, nous parlons de Oloma et mon enfant qu'elle est en train de porter maintenant. Et rien d'autre ne compte en ce moment. Tu as abandonné tes cours là-bas au Canada pour venir à la recherche d'une bonne à rien. Oui, cette bonne à rien va être un jour la reine de tous ces royaumes, maman. Jamais. Pas tant que je suis là. Tu connais ta mère. Mais j'ai une face de reine. Nous allons voir. Ok alors, nous allons bien voir ça. Voyons comment tu vas l'achever. Under the rain, just call on my name, I'll be there. No matter the time, no matter the reason, just reach out for me, I'll be there. Cause you've got... Oloma, donc c'est vrai. Oloma, tu es enceinte. Qui est le responsable de ces bâtards? Réponds-moi! Je te pose la question, réponds-moi avant que je ne te gifle! Réponds-moi tout de suite! Approche, Oloma!
Viens devant moi tout de suite. Elle n'ira nulle part. Oloma, reste là. Comment oses-tu me désobéir? Pour qui tu te prends? Mais qui est cette fille sans manière? Je vais faire comme si je n'ai pas entendu tes insultes. Oh oui, tu m'as entendu. Et toi? Et toi, chose répugnante et sans valeur, je t'ai dit, approche et viens devant moi tout de suite. Et moi, je dis qu'elle n'ira nulle part. Mais pour qui tu te prends, dis-moi? Tu crois qu'ici, c'est le palais de ton père où tu peux donner des ordres aux gardes et aux servantes comme bon te semble? Oh là, tu n'iras nulle part. Pour ton information, ici, c'est le royaume d'Omochi et pas celui d'Isiogo. Oloma, tu es là devant moi? Tu m'as trahi? Oloma, tu étais ma servante préférée. Oloma, tu as eu l'étoupée d'aller t'offrir à mon homme, à mon prince. Oloma, avec tous les hommes de ton genre, les sales hommes de ton calibre, pourquoi tu n'étais pas allé les choisir? Pourquoi mon homme? Pourquoi? Oloma, tu as trahi le palais royal. Et pour ça, je vais te lancer un sort. Oloma, tu vas... Allez, veux-tu la fermer? Arrête! Va. Au cas où tu ne le sais pas, c'est à cause de ton arrogance que le prince t'a laissé tomber. Non, surtout pas. N'essaye plus jamais dans ta chaîne de vie lever ta main sur moi. Ai-je l'air de l'une de tes servantes? Est-ce que je ressemble à Oloma? Es-tu malade? La prochaine fois que tu oseras, je te montrerai de quoi je suis faite. Enlève tes sales mains sur moi. Comment oses-tu? Comment oses-tu serrer ma main? Comment oses-tu, princesse mon œil? Oloma, allons-y. Oloma! Oloma! Jeune fille, veux-tu te battre? Veux-tu te battre? Princesse mon œil. Makes you foolish in another man's world. Bride in your paradise makes you ugly in this beautiful world. You better be humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble. C'est quoi cette bêtise? Pour qui elle se prend? Princesse mon œil, quel œil s'est trouvé un mari? Comment est-ce qu'une tout-puissante princesse peut s'agripper à un homme qui ne l'aime pas? Réfléchis un peu. Qui est cet homme sensé qui prendra en mariage une fille mal éduquée comme elle? Abigail. Ok. Calme-toi. Je ne l'apprécie pas. Elle est très orgueilleuse, cette fille. Gloire à Dieu. Nous sommes maintenant à la maison. Est-ce que tu peux jeter l'éponge, s'il te plaît? C'est bon. Comment tu te sens? C'est comme tu vois, je vais bien maintenant. Ok. D'accord, laisse-moi voir ça. Thank you.
Dieu. Où est-ce que je vais retrouver ma fille? J'étais allée visiter Nanié chez qui j'avais laissé ma fille. Le problème est qu'elle a déménagé il y a beaucoup d'années. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quoi? Je ne porte pas les sons de mon pauvre père. Des oncles méchants. Qu'ils viennent me dire c'est qui mon vrai père dans ce cas? Qu'ils viennent me mettre à dehors de cette maison. Enfin, ils sont là. Probablement, c'est pour me chasser de la maison de mon propre père. Oncle, je suis très contente de vous avoir avec moi. En quoi je peux vous aider? Écoute, la question devait être celle-ci. Comment nous autres, nous pouvons t'aider? Parce que toi, tu n'es pas de cette famille. Je peux voir que tous les deux, vous n'avez rien d'important à me dire. S'il vous plaît, si vous n'avez rien à me dire, laissez-moi rentrer dans ma chambre et continuer ce que je faisais. Mais qu'est-ce que tu dis, Yoguma? Nous sommes ici pour te demander de quitter la maison. Oncle, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoute, notre défunt frère n'a pas eu d'enfant pendant qu'il était en vie. Donc, tu feras mieux de partir. Des mensonges. Tu es un menteur pathétique. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Notre défunt père Peter et sa femme n'avaient pas d'enfant quand il était en vie. Oncle, même toi, comment un homme comme toi embarquer dans la maison de mon père pour me parler de ma vraie paternité. Juste après quelques semaines après l'enterrement de mon père, comme résultat de cet accident fatal, vous êtes déjà commencé à réclamer ses biens. Hé, arrête ça. Écoute, tu as bien écouté ce que mon frère a dit. C'est très simple. Tu n'es pas de cette famille et tu ne seras jamais membre de cette famille. Alors va-t'en. Ok, d'accord. On verra bien. À moins que vous veniez me jeter dehors. Puisque je ne ferai pas un pas d'ici. Donc, tu veux arriver jusque-là, hein? Tu veux t'entêter, hein? Ok. On va voir. Attends, on va voir. Je le savais. Je l'ai vu venir. Ils veulent juste me mettre dehors et s'accaparer de tout le bien que mon père a laissé. Ils veulent prendre la maison, les voitures et tout le bien.
Je ne vous laisserai pas faire. Et c'est qui a dit qu'un enfant femelle doit être relégué au fond? Je ne vous laisserai pas faire. Jamais. Je ne quitterai pas de cette maison. Jamais. Point final. Jamais. Oncle Georges. Ah, bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parais très jolie. J'apprécie tes cheveux. Tu es vraiment très jolie. Regarde même tes jambes, elles sont toutes très jolies. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Thérésia, essaye d'être calme. Tu n'as pas un petit ami? Tu ne l'as jamais fait avant? Faire quoi? Sois calme, on va le faire juste une fois. Juste une fois, ok? Juste une fois. Le mieux serait de mourir que de me laisser à toi. Jamais. Oh. Alors, tu es sérieuse? On va voir. Oncle Georges! Oncle Georges! Oncle Georges, à l'aide! Oncle Georges, laisse-moi! Laisse-moi! Tu la fermes, toi! Oncle Georges! Je ne peux pas! Oncle Georges! Laisse-moi! Laisse-moi! Aïe. Sorcier! Aïe. Tu m'as frappé au testicule! Aïe, aïe! Cette fille, je dois finir avec elle. Tu dois quitter cette maison. Va-t'en, idiote. Mes oncles, s'il vous plaît, ne me chassez pas. Ayez pitié de moi. Je n'ai pas où va-t'en aller. Va-t'en, Lucie, va-t'en. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Oncle Georges, oncle, oncle. Lève-toi, lève-toi et sors d'ici. Va-t'en, va-t'en. Oncle, pardon. Dehors, on te prévient. Oncle, va dehors, va dehors, va dehors. Pardon. Va-t'en, ne reviens plus jamais ici. Oncle, oncle, oncle. Oncle Jean, s'il vous plaît. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi, imbécile. Oncle. Hein? Tu te tapes, toi. On a une visiteuse, tu sais. Alors, quoi de neuf? Ça va, mec. Ok. Ah! Doucement. Du calme. N'aie pas peur, hein? Doucement. Calme-toi. Nous sommes tes amis. N'aie pas peur, hein. Du tout, d'accord? Wow. T'as-tu touché? Non. N'aie pas peur. Vas-y, passe par ici. Tourne-toi. Vas-y, tourne. Je tourne. Chut. Maintenant, viens voir papa. Viens avec papa. Tu n'es pas romantique, pourquoi? Je t'ai dit de faire un câlin, papa. Viens.
Tu es tellement succulente. Hé, hey, toi là. Je ne l'ai jamais fait avant. Elle dit qu'elle est encore vierge. Tu es encore vierge. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Nous sommes aussi vierges comme toi. Nous sommes aussi vierges comme toi. Alors, tu vas aimer, je t'en suis là-bas. Tu me dévires, c'est moi qui t'allonger là-bas, s'il te plaît. Pitié. Debout. Ne m'énerve pas. Tu veux que tu deviennes méchant? Mais calme-toi, jeune fille. Non. Allonge-toi. Pardon. Pardonnez-moi. Commence-toi. Comme tu es vierge, nous allons le faire doucement. Doucement, doucement. Non. Ok, doucement. Je vous demande pardon. Relax. Pardon. Tu n'as qu'à te calmer. Non. D'accord? Je ne le prends pas. Nous allons mettre ça sur toi. Non. Non. Je veux calmer moi, je vais faire du sale. Non. Hein? Non. Non. S'il vous plaît. Non. Je vais te gifler. Non. Non. Calme-toi. Oui, madame. Ouvre ce portail immédiatement. Ok, madame. Je suis devant un défi. Je commence à le perdre. Je commence à le perdre. Je dois désespérément voir ma fille avant ma mort. Mon instinct me dit qu'elle est vivante. Si elle n'est pas morte, j'en suis très convaincue. Elle n'est pas morte. Mais où est-ce que je vais la retrouver? Oh, Seigneur, comment je vais y arriver? Comment? Où est-ce que je vais la voir, Seigneur? Aide-moi. Je me sens perdue. Seigneur, toi, tu sais, tu vois là où elle est. Aide-moi, je te prie pardon. Oh. Thank you.
Toi encore? Que fais-tu ici? Bonjour. Bonjour. Je suis venue vérifier si peut-être tu es arrivée à retrouver Nonie. Je t'avais déjà dit, je ne la connais pas. Je connais aucune nanny. J'avais aussi appelé ma mère. Elle m'a dit qu'elle ne la connaît pas. Ok. Merci. De rien. Bye bye. Mais au cas où tu la vois... Tu étais où toute la journée? Tessie, tu étais où toute la journée? André, arrête de m'importuner cette nuit. Je n'ai pas de force pour répondre à tes questions, s'il te plaît. Tu essayes de dire que mes questions t'importunent? Tu as quitté cette maison depuis le matin. Et tu es revenu très tard la nuit. Tu m'as laissé très inquiet toute la journée. Et tu dis que je t'importune. André, pour l'amour du ciel, laisse ma vie tranquille, s'il te plaît. C'est quoi avec toi? Laisse-moi respirer. Hein? Comment je dois te le dire pour que tu comprennes? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il n'y a rien de mal avec moi. Je vais bien. Le seul problème que j'ai maintenant, c'est toi. Tu distrais ma vie. Laisse-moi me reposer. Ne sais-tu pas comprendre un français aussi simple? Laisse-moi tranquille. Thérésia, où est parti le sourire que tu as toujours eu sur ton visage? Qu'est-ce qui te dérange aussi autant? André, il n'y a rien qui me dérange. Je vais bien. Je viens juste d'arriver. Laisse-moi le temps de me reposer. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Thérésia, tu me pousses à mal agir. Franchement, tu me pousses à mal agir. Qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper? Ok, André, frappe-moi. Frappe-moi. Je suis là, frappe-moi. Hein? Ou tu veux me renvoyer peut-être? Renvoie-moi, vas-y. Ta maîtresse est enceinte de toi. Je n'ai rien d'important à te donner. Qu'est-ce que tu me veux encore? Vas-y, parle, non? Pourquoi tu restes silencieux? Hein? À peine je suis rentrée, tu n'arrêtes de m'embarrasser avec tes questions, une après l'autre. C'est quoi? Hein? Laisse-moi, non?
Je n'ai plus le droit de me reposer dans cette maison. Hein? Dis-moi, n'importe quoi. Laisse-moi respirer. Ton problème n'est plus normal, franchement, Thérésia. Je sais quoi faire. Je sais exactement quoi faire. Peux-tu croire que Afam ne reste plus jamais un instant à la maison? Oh oui! Il a abandonné ses cours là-bas au Canada après avoir payé une grande somme d'argent pour une raison qui n'a même pas de sens. Peux-tu imaginer ça? S'il te plaît, ce sera un plaisir pour moi si tu viens parler avec lui. Pas de problème. Ok. Je compte sur toi. D'accord. Bye bye. Ma reine, tu veux dire que le prince est dans cette ville, mais il n'appelle plus et il ne visite plus les palais? Non, Wanem. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne sais pas ce qui arrive à mon fils. Il peut quitter le palais le matin et revenir quand il fait noir. Ma reine, est-ce que tout va bien avec lui? Donc comment je vais savoir pendant qu'il ne me dit rien du tout? Alors je vais moi-même parler avec lui pour découvrir ce que c'est le problème. S'il te plaît, fais-le. C'est pour ça que je t'avais parlé. Est-ce que je peux le voir maintenant? Hein? Le prince, bien sûr. Il n'est pas au palais au moment où nous parlons. Bon, dans ce cas, je vais alors l'appeler. D'accord. Je compte sur toi. Ça, ce n'est pas un problème, ma reine. Et comment va la princesse? Elle est partie faire ses courses. Ok, c'est très bien ça. Je suis content. Pardonne mes manières. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Ma reine, ne vous en faites pas pour ça. Je me dirige déjà pour le travail. J'ai quelques urgences. Es-tu sûr? Oui, bien sûr. D'accord alors. Merci. Merci pour ton temps. When love is built on bricks of sorrow, when love is fed on bread of sorrow, let it be, just let it be. This love I see, just let it be. You can't stop the rain, just let it be. Oh, you can't stop the sun, just let it be. 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 When love is built on bricks of sorrow. Infirmière, je ne comprends pas. Elle a très mal. Pourquoi vous ne la conduisez pas dans la salle de l'accouchement? Madame, ne vous inquiétez pas. Dans quelques temps, nous allons nous occuper d'elle. Faites vite dans ce cas. Faites vite. Elle a mal. Désolée. Ça va aller, ok? Sois forte. Ça va aller. Allez.
Désolée, ma belle. Sois forte. Désolée, ça va aller. Hey, mon Dieu. Courage, ça va aller. Désolée. Just call on my name, I'll be there. No matter the time, no matter the reason, just reach out for me, I'll be there. 'Cause you've got my heart, you've got my heart, you've got my heart in your hands. 'Cause you've got my heart, you've got my heart, you've got my heart in your hands. Yeah. Mon oncle. Ah, mon prince, sois les bienvenus. Merci. Mon oncle, quelque chose vient de se passer. Quelque chose comme quoi, mon prince? Ma mère m'a appelé pour me dire que ma fiancée était enceinte de moi, mon oncle. Waouh! Alors, la princesse est déjà enceinte? Oh, non, non, mon oncle, ce n'est pas la princesse Olivia. Je parle de Loma. Au fait, c'est une jeune fille que j'ai rencontrée dans le royaume du Subo. Oui. Depuis que je suis rentré, c'est chaque jour et chaque nuit que je la cherche. Mais jusque-là, je n'ai pas pu la voir. Depuis que je suis rentré, elle a essayé de... Tu veux dire Oloma du royaume Isibo? Oui. Oui. Mon prince, il y a une fille ici du royaume Isibo qui a été amenée dans cet hôpital hier. C'était pour quelques complications de sa grossesse. Vraiment? Oui. Viens, tu vas la voir. Oloma. Alors c'est vrai. Tu es enceinte. Oui. J'ai découvert après que j'étais enceinte de toi. Quelques mois après ton départ du royaume de Osiogo. J'essaie de te chercher avec l'adresse que tu m'as donnée. Après beaucoup d'efforts que je fais pour te joindre au téléphone, puisque tu étais injoignable. Quand je suis arrivée au palais, la reine, ta mère, m'a chassé du palais et m'a dit de ne plus jamais y revenir, sinon je finirai à la station de police. Je suis vraiment désolé que tu aies traversé tout ça. Je suis rentré immédiatement. J'ai appris que tu étais enceinte et que tu étais venue me chercher. Je t'ai vraiment cherché partout. Et même au royaume d'Isugu, j'y suis allé plusieurs fois. Et une des fois où je suis allé là-bas, c'est là-bas que j'ai appris que ta mère était morte. Je t'ai vraiment cherché. Partout. Ma mère n'est plus. Mon âme se repose auprès de Dieu, j'espère.
Elle a beaucoup souffert avec cette maladie d'asthme. J'ai grandi en la voyant être torturée par cette douleur. Ma nounou était laissée reposer auprès de Dieu. Elle n'a jamais été ta mère? Elle m'a dit tout ce que j'étais censée savoir à propos de ma paternité. Elle m'a raconté comment j'étais née il y a 15 ans passés et comment ma mère m'a abandonnée dans ses bras à Inogo et elle s'est enfuie. Je n'ai jamais connu qui est réellement ma vraie mère. Je n'ai jamais posé mes yeux sur elle. Je ne sais même pas si elle est morte ou vivante. Ça va, ça va. Ça va. Maintenant, je suis là pour toi, ok? Je suis là. Ça va, ça va. La vie. Ça va aller, ok? Ça va aller. Ça va aller. Ne t'inquiète plus, je suis maintenant là. Oulouma, je t'aime. Ça va aller, chérie. Ça va aller. Et toi? Comment était le boulot aujourd'hui? Ah, tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé. Chérie, ce monde est vraiment très petit. Bien sûr. Et plein de mystères. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que le prince Afama est le responsable de la grossesse de l'homme. Tu veux dire le prince de notre royaume? Oui. Ah, le prince Afam. Quel mystère. Hey. Olama a été abandonné par sa mère, par une adolescente âgée de 15 ans, dans la maison d'une dame appelée Grace. Grâce. Oui, Grâce. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit Grâce. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Thérésia, chérie. Docteur Andrew,
J'espère que tout va bien. Docteur Richard, je veux réellement savoir ce qui se passe avec ma femme. Je me souviens de vous avoir dit d'aller à la maison pour lui demander vous-même. Alors pourquoi venir ici me demander ce qui se passe avec elle à nouveau? Docteur Richard, je suis aussi un docteur. Juste comme toi. J'ai tout le droit de savoir ce qui se passe avec ma femme. Alors je t'écoute. Bien, je suis désolé de vous décevoir, docteur Andrew. Parce que ce que vous me demandez va à l'encontre de la déontologie de notre profession et vous le savez très bien. Docteur Richard, ma femme est en train de mourir et je suis très sûr que tu ne seras pas content de la mort de ma femme. S'il te plaît, réponds favorablement à ma demande. Je t'en supplie. Voilà sa farde. Votre femme a la leucémie. Quoi? Under the sun, under the rain, just call on my name, I'll be there. No matter the time, no matter the reason, just reach out for me. I'll be there. Cause you've got my heart. You've got my heart. You've got my heart in your hands. Cause you've got my heart. You've got. Pourquoi suis-je même inquiet d'ailleurs? Je veux dire, je n'ai pas à m'inquiéter. C'est tout ce qui compte, c'est que je viens de trouver Uloma. Là, c'était mon plus grand souci et mon plus grand problème. Mais maintenant, tout cela a finalement été résolu. Ok, maintenant, il n'y a plus rien qui soit plus important. Et maintenant, je dois vraiment raconter la nouvelle à Sa Majesté. Sa Majesté doit vraiment entendre ça. Je le dirai à tout le monde. Philosophical moral messages that this place broadcast in antiquity are still as relevant today. Above the entrance to the temple, where the people went in to consult the oracle, were... Oh, maman? Princesse? Oui? Je viens de la chambre de ton frère, mais il n'est pas là. Où est le prince? Maman, je n'ai aucune idée de là où il est. Obinze! Obinze! Oui, ma reine. Où est mon fils? Il est sorti il y a un instant. Appelle-le. Tout de suite, ma reine. Mon prince, la reine demande votre présence immédiatement. Dis-lui que je serai dans quelques minutes seulement. Bien sûr, mon prince. Qui peut imaginer qu'est-ce qu'elle veut?
princesse? Oui, mère. Je m'inquiète beaucoup. Tu t'inquiètes? Je ne sais pas pourquoi est-ce que le prince ne s'inquiète pas pour payer la dette de la princesse. A-t-il discuté avec toi à propos? Oh, mère, c'est évident. Ou soit tu ne les vois donc pas? Voir quoi? C'est clair que mon frère ne l'aime pas, tant qu'il ne compte pas l'épouser. Oui, mère. Le temps passe vite. Il doit trouver une femme afin de succéder le trône de son père. Le trône est vide. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, je regarde un film. Oh, c'est vrai ça? Oh, bon, j'aimerais aussi regarder. Tu vas aimer. C'est vrai? Oh, maman, je reviens. D'accord. Maman, je t'assure, tu vas beaucoup aimer. Ma reine. Où est mon fils? Il vous rejoint bientôt. Maman. Mon prince. On m'a dit que tu me cherchais. Mais toi. Affamé Funa. Pourquoi est-ce que tu ne décides pas de faire de Clara ta femme? Maman, ne me dis pas qu'on parle encore de tout ça. Je n'ai pas compris. Maman, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'aime pas du tout la princesse Clara. Je peux savoir pourquoi? S'il te plaît, maman, je n'ai vraiment pas de temps pour ça. Je n'ai pas de temps de parler de ce dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, maman. Mais elle est le choix de ton père pour toi. Je m'en fous. Maman, je m'en fous complètement. Et pour ton information, maman, je viens de retrouver la femme que j'aime. Oh oui. Vraiment? Je viens de retrouver Uloma. Oui. Finalement. Finalement. Je crois que je lui avais dit de rester loin de toi. Maman, elle est ma future femme. Elle porte même mon enfant. Enfant ou sans enfant. Elle ne peut pas faire partir de cette famille. Jamais. Maman, tu vois... Tu sais, je t'ai déjà assez respecté comme ma mère. Et le respect est réciproque. Comme on dit, maman, il ne faut vraiment pas me faire perdre la tête. Ça ne sera pas amusant. Hey! Es-tu en train de me défier? Hey! Je suis très contente. Maman, d'ailleurs, je vais faire éclater une bouteille de champagne. Mon frère sera bientôt papa. Je suis très contente. Tu es vraiment stupide. Maman. Le père de qui? Le père de qui? De je ne sais qui? Allô? Comment te sens-tu? Assez bien. Je sais que tu te porteras mieux bientôt. Voici ma petite sœur, Rema. Rema, je pense bien que tu la connais déjà. Salut, ma princesse. Je veux bien. Merci. Alors, dis-moi un peu comment tu te sens. Tu peux le voir. Je me sens bien. Es-tu sûre que tu n'as besoin de rien?
J'ai besoin d'une provision. La provision? Alors finalement, tu as besoin de la provision. Parce que je sais que je t'avais demandé, mais tu m'as dit non. Ok, très bien. Merci. Désolée. Trouve une place dans ton cœur pour pardonner ta mère. J'étais sans abri et sans aide. J'étais devenue si dure à cause de ce par quoi mon oncle m'a fait passer. Crois-moi, c'était indépendamment de ma volonté. Je me suis mise à te chercher depuis un bon bout de temps. Gloire à Dieu, je t'ai retrouvée. Enfin, j'ai retrouvé ma paix. Au moins, je mourrai dans la tranquillité. Pardonne ta mère. Non, non, tu ne mourras pas. Non, pas maintenant que je t'ai vu. Pas maintenant que mes yeux se sont posés sur la femme qui m'a mise au monde. Tu ne mourras pas. Je te pardonne, maman. Même quand je ne serai plus, je prie que mon Dieu veille sur toi et ton enfant. Ma fille, pardonne-moi. Pardonne la façon avec laquelle je t'ai traité. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je t'aime. Ma fille, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi, maman. Je t'aime, maman. Tessie? 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 Maman? Maman? C'est un peu de voir. Essaie de voir, s'il te plaît. Essaie de voir. Est-ce que ça va? Elle est morte. Non! 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 Maman! Maman! Non! 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 Oloma, beaucoup de choses se sont passées, mais nous devons avancer. Ta mère m'avait caché la vérité pendant tout ce temps. Je suis désolé pour toute chose. Je suis vraiment très désolé. Alors trouve une place dans ton cœur pour la pardonner. Je sais que tu peux le faire. Maintenant, je vis seul dans toute cette maison. Je veux que tu viennes vivre avec moi. Les derniers souhaits de ta mère sur son lit de l'hôpital m'a demandé de prendre soin de toi. Et tu sais quel bon père je peux être pour toi. S'il te plaît.
Merci beaucoup, monsieur. Tu es un envoyé de Dieu pour moi. Du plus profond de mon cœur. Dieu sait combien je t'apprécie et te suis reconnaissante. Mais je vais un peu changer de vie. Je ne veux pas être une charge pour toi. Oloma, comment tu peux dire ça? Je veux juste que tu vives avec moi. C'est tout ce que je veux. Oloma, s'il te plaît, reste avec lui. Il est le mari de ta défunte mère. Il est un homme bon. D'après tout, bientôt je quitterai cette ville. J'ai fini mes études. Je serai obligée de partir. Donc, s'il te plaît, reste avec lui. Under the sun, under the moon, just call on my name, I'll be there. No matter the time, no matter the season, just reach out for me, I'll be there. Baby, you're the center of my world. You're the center of my world. So tell me where you day. Just let me love you my way. Just let me love you forever. Bienvenue, comment maman. Tu vas, ma chérie? Ça va. Comment était le boulot aujourd'hui? Très bien, chérie. Et qui est-elle? Olama. Voici ma femme, Tessie. Bonsoir, madame. Tessie, je te présente Olama. Elle va rester avec nous ici pendant quelques moments. André, quel genre d'homme es-tu? Comment tu peux amener une bonne sans mon consentement? C'est quoi ton problème? Oh non, Oloma n'est pas une bonne. Elle a juste besoin d'aide. Et cette maison est très grande et elle est encore vide. Je me suis dit que c'était mieux qu'elle vienne rester ici avec nous. André, est-ce que tu dois toujours me rappeler mon incapacité de te donner un enfant? Hein? Cette maison est très grande et vide. Vide des enfants, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux dire? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Dis-moi alors tes pensées. Dis-moi ce que tu penses. Hein? Comment tu peux amener une fille chez moi sans pour autant me dire? Hein? C'est ce qui fait de toi un bon mari? Écoute, Tessie. Non, laisse-moi. Désolé, Tessie, écoute.
Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, Olama. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je nettoie la maison, monsieur. Je t'ai demandé de faire attention à comment tu travailles à la maison. Tu es enceinte. Alors, par conséquent, tu ne peux pas te donner la peine de faire beaucoup de travail. Monsieur, je suis assez forte. Je peux le faire. C'est bon, d'accord alors. Fais un effort de finir et d'aller te reposer. Je sors pour le travail. D'accord, monsieur. Bonne journée. Ça veut dire qu'André a enceinté une fille et l'amène à la maison comme une bonne. Jeune femme, qu'est-ce que tu as avec mon mari? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu as à faire avec mon mari? Rien, madame. Je n'ai rien à faire avec votre mari. N'ose pas me mentir. J'ai tout entendu. Qui est responsable de cette chose que tu as dans ton ventre? Madame, je jure sur la tombe de ma pauvre mère. Je n'ai rien à faire avec votre mari. Je ne vous mens pas. Je n'ai rien à faire avec votre mari. Rien. C'est vrai. Oh! Tu crois que je vais croiser mes bras et te laisser détruire ce que j'ai construit pendant 8 bonnes années? C'est ce que tu crois? Tu viens je ne sais d'où avec cette chose dans ton ventre pour détruire mon mariage? Je vais te montrer comment j'ai passé toute ma vie dans la rue. Et comment j'ai souffert toute ma jeunesse avant de venir dans cette maison. Tu verras ce que je vais te faire. On verra bien moi et toi. N'importe quoi. Bon retour, monsieur. Bonjour, Olama. Comment tu vas? Oui, ça va. Ah, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Rien, monsieur. Olama, tu n'as pas intérêt à me mentir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à mon absence? Elle doit partir de cette maison 7 minutes. Thérésia, qu'est-ce qui se passe avec toi? Une femme qui se plaint à Dieu pour ne pas avoir eu des enfants traite les enfants d'autres femmes avec vraiment beaucoup de méchanceté. André, je ne suis pas stérile. Ce n'est pas ça le problème. Je te demande juste de traiter cette jeune fille avec beaucoup d'amour. De quel amour parles-tu? Épargne-moi, s'il te plaît. Oloma doit partir de cette maison maintenant même. J'en ai marre avec vous deux. S'il te plaît, madame... Ne me chassez pas, je n'ai pas où aller, s'il vous plaît. Je n'ai pas où mettre ma tête, je ne connais personne ici. Et pitié, est-ce je que vous ça en me supplie. Regarde? Si tu veux, trouve-toi où dormir, ou encore tu peux dormir sous un arbre. Ça m'est égal. Va-t'en! Pas question, sors! Va dans ta chambre, va faire tes bagages. Tu sors maintenant. Dépêche-toi. Lève-toi. Envoie dehors. Mais c'est à toi que je m'adresse, non? Lève-toi. Regarde, va faire tes bagages. On y va. Tu dois partir de cette maison. Aujourd'hui même. Elle, devant. Pardon. Thank you.
destin m'a ramené chez ma mère biologique. Pour être confrontée. Pour qu'elle me chasse de la maison. Ma propre mère m'a renvoyée de sa maison. Très étrange. Quel monde rempli de méchanceté. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert entre les mains de ma mère. J'ai souffert entre les mains de mon propre sang. Oloma, petite idiote, une chose sale et sans valeur. Oh. Tu crois que tu peux mordre les doigts qui t'a nourri? Vraiment? Tu veux donc jouer à ces jeux? Donc tu veux vraiment jouer à ces jeux? D'accord. Dans ce cas, jouons. Que le jeu commence. Toi, voleuse de mari. Donc tu ne pouvais pas aller voir ailleurs, seulement mon homme? Reviens par là, je vais t'étrangler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème? Quoi? Affamé Funa. C'est ici que tu gardais cette chose? Affamé Funa, je te faisais confiance. Tu m'as trahi. Tu as trahi mon amour. Tu m'as trompé avec cette chose. Je te faisais confiance. Comment pouvais-tu me faire ça? Comment? Comment as-tu pu? Tu sais quoi? Je te ferai payer pour ça. Tu vas vraiment me le payer. Crois-moi. Stupide chose. Idiote. C'est tout ce qu'elle peut faire. Crier. Et enfin ne rien faire. Tout va bien? Es-tu sûr? Oui. Bien sûr. Vraiment? Oui.
ma princesse. Ma princesse, à partir du regard de ton visage, ça prouve que tu as été déçue. Alors c'est quoi le problème? Je l'ai perdu. Tu as perdu qui? Le prince. Papa, le prince m'a laissé tomber, il m'a trompée. Il a choisi cette servante, cette seule chose à ma place. C'est juste pour ça que tu es faible en esprit. On dirait que tu as perdu espoir de la vie. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te quitte? Papa, d'après ce que j'ai compris, le prince n'est pas prêt d'appartenir à la royauté. Son caractère, son attitude, c'est vraiment inacceptable, papa. Ma fille, si je te dis que je comprends ce que tu es en train de dire, ça sera du mensonge. Essaye d'être plus explicite pour que je te comprenne aussi facilement. Papa, je n'ai plus envie de continuer avec toutes ces choses. Cette relation entre moi et ma femme, j'en veux plus. J'ai juste besoin de quitter ce pays, ce royaume et trouver la paix. J'ai besoin de guérir de ma plaie. Papa, je suis juste fatiguée. Je suis fatiguée. Ma princesse, ne te dérange pas, ok? Je crois que tout ira mieux, ok? D'accord? Viens ici. Papa. Ne te dérange pas, chérie. Tout ira mieux, ok? Je sens qu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans ce palais. Il y a quelque chose de très important qui se passe, je le sens. Je ne sais pas, c'est mon avis. Odoroa peut avoir raison. Avec quelle manière la princesse est entrée ici au palais? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? C'est vrai. Son visage montrait qu'il y a un ça ne va pas avec elle. Mais je te fais pas dire. N'avez-vous pas vu comment est-ce que la majesté princesse était entrée au palais avec son visage par terre? Azoka, qu'est-ce que tu veux dire? Je peux juste te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. C'est tout. Les amis. Ok. Laisse-moi vous dire la nouvelle. Vas-y, parle, c'est quoi, oh? Ah. Le prince Afam a finalement retrouvé Oloma. Le prince a laissé la princesse. Finalement. Il l'a plaqué pour Oloma, notre ami. Tu dis ce qui est vrai? Finalement. Les finalement. Amis, écoutez exactement ce qu'elle a dit. Le prince m'a laissé avec une plaie dans le cœur. Vraiment, toi aussi. Hein? C'est une bonne chose, oh. Franchement. Je vais vous montrer. Oh. Tout ça, c'est pour moi. Tout ça, c'est à moi. D'accord. Attends. Je te dis. Tu ne te rappelles donc pas des Ugochi? Arrange ma tenue. Fais-moi des tresses. Mes épaules. Fais-moi une massage. Alors moi, Azuka, prends ceci. Emmène-moi le père. Fais ceci. Non. Fais cela. Non, c'est cette assez, fille. Non. Ah, non. Franchement, je suis très contente. Je suis contente pour notre ami. Vraiment contente. Notre ami.
Vraiment, c'est bien fait pour elle, oui, non? Quand le prince trompe sa princesse avec une servante, cela veut dire que la royauté et la tradition n'a pas d'importance. Je suis blessée par celui que je croyais qu'il serait mon mari. La femme a réduit mon cœur en morceaux. J'ai été humiliée et abandonnée à mon triste sort. Je ne pourrai plus marcher dans mon royaume, la tête haute. J'ai très honte de moi. Mais j'ai appris la leçon. L'humilité est une vertu. Slow it down, slow it down. In this beautiful.
you humble, humble, humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble, be humble. You gotta be humble, humble, humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble. Ma princesse, il semble que tu es prête à partir. Oui, papa. Laisse-moi te prodiguer un petit conseil. T'inquiète. Oh, papa, t'inquiète pas. Je me suis fait beaucoup de reproches. Je dois me mettre en route maintenant. Mais alors, où est parti le sourire sur ton visage? Car je ne veux pas que ma fille voyage pour la ville sans aucun sourire, car on ne sait jamais. C'est bon, papa. Ça va aller. Est-ce que tu es sûr? Très sûr. D'accord, alors. Laisse-moi te donner mes bénédictions. Que tu partes en paix. Et que le Dieu de nos ancêtres soit avec toi. Ici. Ça va, ma chérie. Merci, papa. Je t'aime beaucoup. Tu vas me manquer, papa. Ça va aller. Ok. Va en paix. Merci. Arrêtez! C'est pour qui ça? Pour moi? Arrêtez, ok? Désolée, ma princesse. Parfait. In this beautiful, you gotta be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Oh, yeah. Be humble, be humble. You gotta be humble. Not how long, oh yeah, but how well has it been? How good can it be? Will you make me mad for no reason? Oh yeah, can I depend on you? Oh oh, ride in your paradise, makes you foolish. In another man's world, bride in your paradise. Slow it down, slow it down. In this beautiful world, nobody knows. You gotta be humble, 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 humble. You're not the first, you won't be the last. Be humble, be humble. You gotta be humble. Yeah, the body know they talk. Yeah, the body know get a choice. Be careful what you wish for. Yeah, be mindful what you wish for. Man no be God, oh. Man no be God, oh. Be careful what you wish for. Careful what you wish for. Oh, hi. Show some love, oh. Thank you.
Nobody know pass. Nobody get a destiny of another in our hands. Nobody be God, oh. Please come. Je dois faire l'appel. Allô? Ma reine. À votre majesté, Gugunabo. Qu'est-ce que ton fils a réellement fait? Igwe, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous avais dit que je veux m'en charger. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il a abandonné ma princesse pour choisir une servante du palais. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça, c'est un sabotage de la royauté. C'est une grave humiliation de toute ma famille royale. C'est vraiment inacceptable. Je ne suis pas du tout content de ça. La princesse est partie en ville juste pour ce problème. Igwe, écoutez. Allô? Allô? Êtes-vous là? Il est fâché. Maman, qu'est-ce qui se passe? La princesse est partie en ville pour une nouvelle vie. Elle a évité deux cérémonies. C'est bien pour elle. N'est-ce pas que c'est à cause de toi? N'est-ce pas? Bien, en fait, maman, j'étais venu pour que nous sachions comment... Maman! Mon prince, tu connais maman, elle vient à peine de recevoir l'appel qui l'a déstabilisé. Je crois que tu dois lui donner un peu de temps, s'il te plaît. Vraiment, ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter pour ça. Je voulais juste que nous puissions discuter sur comment nous allons fixer le prix de la dot d'Oloma. Je sais. Oui. Et je suis très contente pour toi. Merci. Bien, je pense qu'elle a pris la bonne décision au lieu de rester dans un endroit où elle n'est pas la bienvenue. Exact. C'est vraiment bien pour elle. Je suis contente pour toi. Merci. Mon prince, sois le bienvenu. Oui, merci ma soeur. Bonsoir maman. D'où est-ce que tu proviens? Maman, je viens de te saluer. Bonsoir maman. Ce n'est pas ma question. D'où est-ce que tu proviens? Maman, avec cette manière de me poser cette question, j'ai vraiment l'impression que je suis un petit garçon. Maman, n'oublie pas que c'est moi l'héritier du trône de ce royaume. Ok, tu me dois un peu de respect. Non, jusqu'à ce que tu me dises qui est cette fille enceinte avec laquelle tu étais en ville. Vous promenant par-ci par-là, qui est-elle? Maman, peux-tu arrêter? Au cas où tu l'auras oublié, le prince Afam est le prochain roi de notre royaume. La ferme. Alors, maintenant c'est partout que tu me suis, donc tu n'as plus de travail à faire, maman. Bien, je t'avais vu. Under the rain, just call on my name, I'll be there. No matter the time, no matter the reason, just reach out for me, I'll be there.
Cause you've got my heart. You've got my heart. You've got my heart in your hands. Cause you've got my heart. You've got my heart. You've got my heart in your hands. Under the sun, under the moon, just call on my name, I'll be there. No matter the time, no matter the season, just reach out for me, I'll be there. Baby, you're the center of my world. You're the center of my world. Affamé Funa, j'ai pensé que tu partais en ville à la recherche de la princesse. Cherche un moyen de la retrouver comme cette lâche. Ramène-la au royaume des Siogo. Épouse-la. Fais d'elle ta femme, ta reine. C'est le choix de ton père. Je jure sur la tête de mon père que je ne vais jamais le faire. Épouser la princesse Clara. On verra. Je ne sais pas pourquoi maman complique les choses. Non, ça va. C'est maintenant évident qu'elle n'a plus de travail à faire parce qu'elle me suit partout maintenant. C'est bien comme ça. Maman. Ne m'appelle pas maman. Maman, à ce stade, je crois que tu dois laisser tomber. Tout ce que je sais, c'est que Affamé Funa ne va pas épouser cet enfant de je ne sais qui. Jamais. Jamais. Maman, s'il te plaît, tu dois laisser tomber. Sinon, tu vas t'attirer de problèmes de santé sérieux. Je ne le ferai pas. Je ne le laisserai pas faire. Mon défunt mari ne va pas me pardonner si seulement je le fais. Je ne le ferai pas. Maman, tu me fais vraiment rire. À ce que je sache, la princesse du royaume du Ziougou a tourné la page. Maman, à ce point, ta priorité devait être le bonheur de ton fils et pas les souhaits d'un homme mort. Maman, tu m'as giflé. Je vais encore te gifler si tu ne fermes pas cette chose que tu appelles bouche. Maman, tu m'as giflé juste parce que je t'ai dit la vérité. Vas-y, t'arrête pas. Gifle-moi encore. Gifle-moi. Si tu savais ce que signifie cette action. Je n'ai pas besoin d'être furieuse. Ne me provoque pas. Alors dis-moi, où veux-tu que je t'emmène? Partout où tu voudras. Ok. Est-ce que tu peux m'aider avec ma clé? Juste là, dedans. S'il te plaît, chérie. Cette clé? Non, je veux dire mon autre clé.
Pas la clé de la voiture. Ok. Est-ce que tu peux m'aider? Veux-tu m'épouser? Merci. J'ai vraiment cherché dans mon cœur. Plusieurs fois. Tu es juste la bonne personne pour moi. Et je suis content que tu m'aies dit oui. À nous. Ok, alors. Ah. Allons-y maintenant. Partout où tu voudras. Mon prince. Mon oncle. Il y a un truc qui me dit que vous deux, vous êtes là pour m'annoncer une nouvelle. Allez-y. Dites tout ce que vous avez à dire. Ah. Oui, mon oncle, je dois vraiment le dire. Quelque chose vous a vraiment dit, comme vous avez dit. Oui. Bien. Nous sommes venus ici pour vous dire que... Que nous sommes en train de préparer notre mariage, mon oncle. Oui, oncle. Bien. C'est très bien ça. Merci. Je dois vous le dire. Cet amour a été béni dès le commencement. Vous pouvez le dire encore, mon oncle. Vous voyez, Uloma est vraiment la femme selon mon cœur. Alors, il est temps de faire ce qu'il faut le plus vite possible, mon oncle. Je suis content de l'écouter. Très content de l'écouter. Merci. Mon oncle, il y a un petit problème. Lequel encore? C'est ma mère. Ta mère? Oui. Elle a quel problème? Vous savez, elle poursuit toujours le souhait de mon père quand il était en train de mourir. Pour épouser la princesse Clara? Exactement. Ne te dérange pas pour ça. Je vais la voir et discuter avec elle. Oh, merci beaucoup, mon oncle. Oncle, merci beaucoup. Ce n'est pas grave. Merci, mon oncle. Ce n'est pas un problème. Alors, ça mérite une célébration. Oui. Laisse-moi vous donner un truc. Qu'est-ce que vous aimeriez prendre? Tout ce que vous avez, mon oncle. Je reviens. Merci. Merci. Oloma. Tu es vraiment contente. Dis à la cuisinière d'apprêter la liste. Bonjour, maman. Maman, il faut arrêter ça. Je suis l'homme le plus heureux sur la terre. Elle a dit oui à ma proposition. As-tu retrouvé Clara? Maman, s'il te plaît, n'essaye pas de gâcher ma joie. Ok? S'il te plaît, maman, nous avons besoin de ton consentement. J'en ai pas du tout besoin. Et pourquoi, maman? Mais où l'on m'apporte mon enfant? Tout ce dont j'ai besoin, ce sont tes bénédictions. Lis mes lèvres. Tu pourras épouser cette fille si et seulement si je meurs. Mais pourquoi, maman?
Mais pourquoi tu peux parler comme ça, maman? Pourquoi? Regarde-toi. Je ne sais même pas comment est-ce que cette grossesse pouvait entrer. Cette fille dont tu parles comme ça porte mon enfant. Et nos destins ne peuvent plus jamais se séparer, maman. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois, maman, hein? J'ai juste besoin de tes bénédictions. C'était la femme que j'aime. Maman, maman, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça, maman. Ah bon? Mon oncle, s'il vous plaît, je veux que vous veniez ici. Oui, venez maintenant si vous pouvez. S'il vous plaît, venez parler à ma mère. J'aurais bien voulu venir au palais. Je viens juste d'arriver à la maison. J'étais à l'hôpital. Oui. Oui. J'ai passé une journée chargée. J'étais très fatigué, oui. Pas de problème. Je te le promets. Je serai là au palais demain très tôt le matin. Avant d'aller à l'hôpital, je passerai au palais. Oui, ne t'en fais pas. Je ne sais pas, elle dit toujours que je ne poserai jamais cette fille qui n'a aucune identité. Ok. Mais mon prince, sérieusement, pourquoi tu n'as pas dit à la reine que Oloma est la fille à ma défunte épouse? Oui. Et je crois qu'elle va rapidement comprendre que Oloma n'est pas une orpheline. De toute façon, essaye juste d'apaiser la situation. Je serai là très tôt le matin demain. D'accord, pas de problème. Mon oncle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne veux pas m'énerver, s'il vous plaît. Venez lui parler, s'il vous plaît. Ok, merci. Oui, 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 oui. Merci. Oui, merci. Votre Majesté. Oui. J'ai décidé d'abandonner le trône. Oh oui, tu m'as bien entendu, maman. Si c'est vraiment ça la royauté, maman, alors je serai obligé de ne plus être intéressé du tout. Affamé Funa, tu me cherches, n'est-ce pas? Maintenant, sors de ma chambre avant que je ne te maudisse. Loin de tout ça, maman. Je viens juste de te dire ce que je veux. Il n'y a pas de chemin de retour pour ça. Je ne veux rien de tout ce qui sera comme une barrière entre Oloma et moi. Et y compris le trône du royaume Umuchi, maman. Je ne suis vraiment plus intéressé. Et ça reste comme ça. Toute femme restera veuve un jour. Mon roi, pourquoi est-ce que tu dis tout ça? Je dois te faire tous mes vœux. Je suis en train de perdre toutes mes forces. Non. Rassure-toi de bien prendre soin de mes enfants et de tous mes biens.
mais aussi, rassure-toi que notre fils soit un merveilleux roi. Un détail encore plus important. Fais vraiment de tout ton mieux pour te rassurer que notre fils, affamé Funa, épouse la princesse du royaume d'Izibo. Pour garder la relation et les affaires que j'ai avec Igwe Ugonabo. Oui, mon roi. Je ferai tout dans mon pouvoir pour me rassurer que ton souhait s'accomplisse. Je le ferai. Je le ferai. Je ne peux pas. Maman. Je ne peux pas participer à ces bêtises. Je ne peux pas rester et voir les souhaits de mon mari échouer. Maman. Je ne peux pas être en vie. Voir affamé Funa. Le prince du royaume de Mochi n'est pas se marier à la princesse du royaume de Sego. Non, maman. Je peux pas. Nous ne sommes pas des dieux. C'est pour ça qu'il dispose après que nous ayons proposé. Maman, s'il te plaît, laisse la femme suivre son cœur. Non! Non. Maman, je t'en prie pour l'amour. Non, non. Maman, s'il te plaît, arrête. Tu vas te faire du mal. Je t'en prie. Maman, écoute-moi. Ça suffit. S'il te plaît. Allez, maman. Allez, arrête. Reine-mère, j'ai fait un rêve. À propos de qui? À propos de vous. Oui, reine-mère. À quoi consiste le rêve? Maman? 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 Non, maman! Mon Dieu! Maman! Arène! Ah. Reine-mère! Maman! Maman, réveille-toi! Lâche-moi, ne me touche pas! Qu'est-ce que c'est? Maman! Oh, maman, je t'en prie, réveille-toi! Je t'en prie, maman, je t'en prie, pitié! Non! Réveille-toi! Non! Maman! 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 Non, 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 maman! Elle a bu du poison! Maman! Oh,
maman. Non, maman. Faire ça. Pas le poison. Maman, tu ne peux pas me laisser. Elle a bu du poison. Maman, ouvre les yeux. Attends, moi, je reviens. Ouvre maman. Maman, ouvre les yeux. Maman. 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 Maman, tu ne peux pas me laisser toute seule. Maman. 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 Mon oncle et ma mère est morte. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a bu du poison. Hé, hey, mon Dieu. Elle a bu du poison. Oui. Où est son cadavre? Reine mère, je sais que tant qu'une servante, je n'ai aucun droit d'interférer dans les affaires de la famille royale. Mais à cause du rêve que je fais, s'il vous plaît, ma reine, essayez d'y penser. Je vous en supplie. Permettez au prince de suivre son cœur. Je vous en supplie, pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux partir. Merci. Merci, reine mère. Merci beaucoup. Careful what you wish for, yeah. Be mindful what you wish for. Man no be God, oh. Man no be God, oh. Careful what you wish for, yeah. Careful what you wish for. Oh, hi. Show some love, oh. S'il te plaît, ne pars pas. Je t'en supplie. Je suis désolée. S'il te plaît. Je suis désolée. Je suis consciente. S'il vous plaît. Je ne peux pas m'empêcher de voir mon petit-fils. Je vous en supplie. Je suis désolée. Voulez-vous que je m'agenouille? S'il vous plaît. Oloma, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît. S'il te plaît. Viens. Viens, ma chérie. Viens t'asseoir avec moi. Je suis désolée. Approche-toi.
suis très désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Afam, s'il te plaît, viens. Maman, je te pardonne, maman. Je suis désolée. Oui, ça va. Je suis tellement désolée. C'est bon. Ça va, maman. Je suis désolée. Je suis désolée. J'avais peur de désobéir à mon défunt mari. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est bon, maman, nous avons compris. Je ne comprends pas la vie. Je suis désolée. Désolée. Arrête, maman, c'est bon. C'est bon, maman. Je suis vraiment désolée.